Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on a reçu une demande par email pour faire des émissions. Je vous le propose de temps en temps. Je vous propose d'envoyer des mails à contact@legendegroupe.fr. Vous pouvez le faire d'ailleurs si vous voulez vous aussi passer ici en interview. Aujourd'hui, on reçoit Thomas, un black bloc, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'habiller tout en noir dans une manifestation. Il va nous expliquer d'ailleurs exactement ce qu'ils y font, pourquoi il le fait. Il a décidé de passer, mais à visage caché, vous allez le voir. En tout cas, cette émission est dispo, si vous voulez, sur Spotify, sur Deezer, sur Google ou Apple Podcast. On est dispo en audio, voilà, si vous voulez l'écouter en faisant du sport, en prenant votre voiture, n'hésitez pas. Et prenez 2 minutes juste avant de commencer l'émission pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux, vraiment. Je vous vois arriver en masse dans les commentaires, dans les messages aussi en privé, sur Insta. Donc merci à vous tous d'être là. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez des commentaires si vous avez d'autres idées d'invités. Et c'est parti avec Thomas qui va nous expliquer pourquoi il a voulu devenir Black Bloc. C'est Thomas et je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé dans le bloc et la vie du bloc. Merci beaucoup, bienvenue Thomas. Thomas, nom d'emprunt, on t'a maquillé les yeux pour expliquer un petit peu, pour garder ton anonymat, histoire de casser la silhouette. Tu te maquilles pas comme ça tous les jours? Non. Première fois que tu te maquilles? Non. Tu fais très peu d'interviews, je crois. Il y a très peu. Moi, j'ai jamais vu une interview, ce qu'on appelle les black blocs en manifestation. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi t'aimes pas et on dit pas comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle dans les médias les black blocs. Donc, des gars qu'on voit toujours ensemble, habillés en noir, aller parfois au front sur les manifestations face à la police. En fait, je sais pas trop le but, ce que vous y faites, etc. Et tu m'as proposé par email de venir. Souvent, je dis tiens, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Pourquoi tu nous as écrit? Bah, parce que justement, déjà, c'est un média qu'on pouvait venir parler. Ça, c'est pas tous les médias. Par exemple, je vais pas me pointer sur France 2 pour parler du bloc. Ils viendront jamais. Et si je me pointe, ils vont me péter et ils vont me balancer au flic, c'est sûr et certain. Pareil pour TF1 et toutes les grosses chaînes, en fait. C'est ça le problème. Alors que j'ai vu Légende, c'était à force de regarder plein d'émissions, celle sur 7 Gecko et quasiment toutes, en fait. Okay. T'as vu qu'on recevait tout le monde, quoi. Ouais, voilà, j'ai vu que vous receviez tout le monde, que ce soit quelqu'un de connu ou pas de connu, des histoires de ouf ou pas. Et je me suis dit que bah, ça pouvait être bien pour changer notre image, quoi. En fait, on essaye d'écouter tout le monde pour comprendre le monde. Je pense que c'est hyper important. Parfois, il y en a qui me disent « Ouais, t'as invité un tel, je l'aime pas, ou pourquoi t'as invité tel type ?» Mais en fait, moi, je trouve que même quand on n'aime pas quelqu'un, c'est toujours bien d'écouter ce qu'il a à dire, et pour le comprendre, en tout cas, ou pour essayer de le comprendre. Et parfois, t'es pas obligé de regarder l'émission quand t'aimes pas quelqu'un. Mais en tout cas, on laisse la parole à tout le monde, effectivement. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme image? Et après, on va expliquer rapidement tes premières manifs, comment t'es rentré dans le bloc. On dit le bloc tout court. On dit le bloc. Vous dites pas Black Bloc? Non, on s'appelle pas Black Bloc entre nous. Vous dites le bloc? On est des frères, on est des sœurs, mais on n'est jamais un Black Bloc. Ou une black bloc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que les médias qui vous appellent comme ça. C'est que les médias et les gens qui ne nous connaissent pas, en fait, finalement, qui nous appellent comme ça. Est-ce que t'as comment ça s'appelle? Je sais pas si t'es obligé de prévenir, de dire tiens, que t'as une interview. Comment ça se passe? Est-ce que t'es obligé de le dire? Comment t'as prévenu J'ai prévenu quelques personnes très très proches, mais sinon, personne n'est au courant et c'est. Vaut mieux pour moi que je garde le silence, que personne ne soit au courant que ce soit moi qui l'ai fait, quoi, en fait. Pour pas qu'on te reconnaisse. Voilà, pour pas qu'on me reconnaisse. Donc on dira pas la ville de laquelle tu viens, non. Etc. Machin, on restera vraiment très large. Ouais. Et après, tu vas nous expliquer ce que tu veux faire passer comme message aussi. C'est ça qui est intéressant, comme on écoute tout le monde, mais on reviendra après pour comprendre. T'as commencé les manifs à quel âge déjà? Comment tu t'es retrouvé dans une manif la première fois? Parce que c'est quand même un endroit qui peut être dangereux devant une manif. Comment tu t'y retrouves? Toute première manif, c'était avec mes darons, je devais avoir 5-6 ans. En gros, mon père, il m'a dit, viens, tu sais quoi, il y a une manif à tel endroit, tu sais, j'étais gamin. Il me dit, je sais que c'est safe, donc je vais t'emmener avec moi, vous allez venir avec moi et tout. Et on a fait manif, et ça m'a fait kiffer de ouf, en fait. C'est une manif sur quoi? Je sais plus, j'étais gamin, j'avais 5 ans. Ouais, tu te rappelles plus, quoi. Je me rappelle plus du tout. Et t'as kiffé l'ambiance? Et j'ai kiffé l'ambiance, les gens et tout ça. C'était marrant, quoi. Et après, t'y allais tout seul pendant que t'étais en cours, étudiant, je sais pas, au collège, au lycée, t'y allais tout seul? Ouais. Enfin, sans tes parents? Ouais, sans mes parents. Vers quel âge t'y allais après? J'ai commencé à faire vraiment des manifs au lycée. C'était quoi le but à ce moment-là? À ce moment-là, avec le lycée dans lequel j'étais, en fait, si tu veux, c'est un lycée qui rassemble que des gamins de quartier. Et forcément, nous, on est partis en ville. À la base, je crois que les manifs, je crois que ça avait été pour une réforme de retraite, un truc comme ça. Et en vrai, nous, on a juste profité pour tout péter, en fait. Mais bon, quand t'es gamin, tu vois,
J'avais pas du tout la mentalité de maintenant, la mesure des choses déjà, et le recul par rapport à ce que je fais ou ce que je peux faire ou ce que j'ai pas le droit de faire, par exemple. Quand tu dis tout péter, c'est tu faisais péter les cours ou tu faisais péter des trucs Ah non, on faisait péter les cours, des bagnoles, des commerces, on était des gamins, tu nous prends, tu prends que des gamins de cité, tu les excites, tu mets des flics en face, ça part en couille, hein, c'est logique. Hein. On l'a bien vu pendant les émeutes dernièrement pour Noël et tout ça, les flics ont tiré à balles réelles, les gamins, ils ont carrément jeté des grenades, certains. T'as cassé des commerces à quel âge, tu disais, pour comprendre ? J'ai toujours été majeur. À partir du moment où j'ai pu faire des choses vraiment répréhensibles pénalement, j'étais majeur. Mais sinon, après, du caillassage et tout ça, j'en ai fait depuis longtemps. Mais sinon, vraiment, péter un magasin, une banque ou quoi, j'ai commencé, je devais avoir 18 ans. C'est des magasins ciblés, c'est des commerces ciblés ou ouais. C'est un peu là où vous tombez ? Non, c'est vraiment des magasins ciblés. On regarde le parcours. De la manif. On regarde les parcours de manif. On regarde aussi par là où on peut s'échapper. Et après, on regarde les magasins qu'il y a sur le parcours de la manif. Si c'est des petits magasins, mettons que toi, tu as un petit magasin, tu n'as rien à voir avec un gros groupe, genre Auchan, Carrefour ou quoi, on ne va pas y aller du tout. Du tout. Ça n'a aucun intérêt d'aller casser le magasin d'un mec qui se casse le cul. Ça n'a aucun rapport avec ça. Et ceux qui vont péter ces petits magasins, c'est les petites boutiques et tout ça, où tu vois derrière... Les épiceries solidaires. Pour voilà, les épiceries solidaires, où tu vois même une petite bijouterie. Tu vois la patronne derrière, c'est pas une patronne de grande entreprise, c'est pas Swarovski, la meuf. Ça se voit, derrière, la meuf, elle est en pleurs et tout ça. C'est pour ça que des gens comme ça, on va pas aller les casser. Parce qu'ils sont dans la même galère que nous, tout le temps, ils payent des impôts. Et ils en payent énormément. Et pourquoi les gros commerces, vous autorisez à les casser? C'est quoi la... Parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Eux, tu peux leur péter le magasin, ils en ont rien à foutre. Le magasin, dans un mois, il est refait à neuf. C'est pas grave. Et c'est contre ces gens-là qu'on s'efforce de se battre. Parce qu'avant qu'il y ait des centres commerciaux, il y avait plein de petits commerces. Donc l'économie, elle était beaucoup mieux. Elle était meilleure. Mais là, maintenant, tu vois, il n'y a que des centres commerciaux où tu peux tout acheter au même endroit. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de commerces qui ferment. Ça fait partie de vos revendications quand vous allez... Ouais, voilà, c'est une des parties des revendications. Et les banques aussi, tu disais tout à l'heure? Ouais, les banques et la finance, tout ce qui représente le capitalisme, toutes les grosses enseignes qui peuvent représenter le capitalisme, on les prend pour cible aussi. Les agences immobilières, parce qu'elles abusent aussi de la loi pour pouvoir niquer le plus de gens possible. Après, tu as les assurances aussi. Toutes les enseignes d'assurance, c'est pareil, ils abusent de leur pouvoir. Et ils font tout, en fait, ils t'assurent. Le système, en gros. Voilà, déjà tout ce qui représente l'État, en général. Après, moi, je ne suis pas un anarchiste dans le sens où il faut réformer toute la France. La France, elle ne sert à rien. Non, moi j'aime mon pays. T'aimes la France ? J'aime la France, j'aime mon pays. Mon pays, il m'a éduqué, il m'a nourri, il m'a logé, il m'a soigné. J'ai des problèmes de santé, mon pays me soigne. Si est-ce que si pays, tu vas, soigne, il y en a peu. Tu vas aux États-Unis, les soins, il faut payer. Ah bah oui. Tu vas aux États-Unis, l'école, il faut payer. Tu vas, je ne sais pas, n'importe où, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Tu vends ta voiture et peut-être ta maison aux États-Unis. C'est ça, c'est ça. Et alors que nous, en France, on a la chance d'avoir déjà juste ça, la santé fou, gratuite. Ouais. C'est le plus important. Quasiment gratuite. Mais moi, j'ai vu une fois le ticket de caisse de mes médicaments et tout ça. Si je devais payer mes médicaments, c'est 150 € par mois de médicaments. Deux fois par mois. Deux fois par mois. Deux fois par mois. Donc ça fait 300 balles techniquement. Juste de médoc. Juste de médoc pour moi. Donc heureusement que c'est remboursé par la France. Ouais, bien sûr. Donc t'as pas la haine envers la, entre guillemets, la France, non. Plus envers le système. Le système d'aujourd'hui, là. Moi, j'y connais rien. Et en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je connais. Non, mais parfois, je parle même trop quand je connais. Là, je suis là en train de couper la parole, etc. Machin. Là, comme je connais pas, je te pose des questions très naïves, mais très réelles. Est-ce qu'il y a un parti politique? Ou est-ce qu'il y a des gens de plusieurs partis politiques dedans? Il y a des gens de plusieurs partis politiques. Parfois, c'est mélangé. C'est mélangé, bon, ça a des limites quand même. On ne va pas se mélanger à des gens trop à droite. Après, si, par contre, ouais, il y a des écolos, il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, du centre, de tout. Il y a de quasiment tout. Ouais. Comment tu te découvres? Tu dis que tu vas à 16 ans, 18 ans, etc. Comment est-ce que tu découvres vraiment le bloc? Ben, un jour, en manif, j'étais pas avec mes potes du lycée, justement. À ce moment-là. Tu vas seul ? Voilà, j'y vais seul, en fait, ce jour-là. T'as pas peur d'y aller seul ? Non. J'ai plus peur, au bout d'un moment, t'as plus peur d'y aller seul. T'as peur de, oui, de te faire péter, ouais, ça peut arriver, oui. Ça veut dire quoi, te faire péter ? Ça se faire péter, c'est soit tu te fais attraper par les flics, ou alors soit tu te fais exploser la tronche par les flics, mais tu repars chez toi.
Donc tu découvres les Black Blocs à ce moment-là, tu les vois ? Donc ouais, je les vois, j'avais quoi ? J'avais 17-18 ans, je vois un bloc qui se forme devant moi, on était sur une place, et je vois le bloc qui commence à se former, je vois plein de mecs qui commencent à se changer, et je vois, ça fait une masse compacte en fait, t'as pas le temps de voir des visages, t'as pas le temps de repérer un signe distinctif, et je me dis, mais c'est des génies ces mecs-là, ils ont tout compris, on sait pas qui est qui, on peut faire n'importe quoi quasiment, si on veut. Parce qu'ils sont tous habillés tout en noir. C'est ça. Mais là, tu vas les voir, tu leur dis « Ah les gars, comment ça se passe ?» Parce que si tu rentres et qu'ils ne te connaissent pas, je pense que ça peut être mauvais pour toi. Non, non, non. Ça se passe pas aussi mal, en fait. Les gens pensent qu'on est réfractaire à beaucoup de gens et tout ça. Non, non. Nous, on va te tester psychologiquement, dans le sens où on va te poser des questions et tout ça sur toi, sur ta vie un petit peu, mais pas dans la profondeur non plus. Après, on a il y a des gens dans le bloc qui sont très, très bons en informatique, et qui, par exemple, vont checker toute ta life. Je sais pas si c'est des Anonymous ou pas, parce que ça, on sait pas, mais je sais que les mecs, c'est des cracks en informatique, et moi, ma vie, elle a été checkée de A à Z. Ah, c'est vrai? Ils m'ont sorti des trucs de quand j'étais au collège, et ils m'ont dit, ah, au fait, histoire avec les keufs, là, à ce moment-là, ouais, frérot, t'es remonté loin, le seul tresque de ce truc qu'il y a, c'est en papier, et je l'ai chez moi. Oh là là! Donc, je sais pas comment il a fait pour trouver ça. Mais tu me dis, vous posez des questions, mais... Comment tu les abordes ? C'est ça que je veux dire, parce que la première fois que tu vas les voir, j'imagine que tu les connais pas en manif, c'est pas le moment où tu vas discuter avec eux tranquille. Moi j'ai tendance à dire dans la vie, il faut y aller au culot. Mais ouais, j'arrive en fait et je me dis comment je les aborde en fait. Parce que si je vois une masse noire, comment je fais pour les aborder ? Comment je fais pour discuter avec eux, déjà juste pour ouvrir la conversation. Et à un moment donné, il y en a un, il passe à côté de moi, je sais plus ce qu'il me dit, et du coup, ouais, il me dit « suis-moi » ou un truc comme ça. Donc du coup, je le suis parce que je vois qu'il va dans le bloc, et du coup, je le suis, et à partir de ce moment-là, je me suis mis à discuter avec un tel, un tel, un tel. Et en fait, les discussions, ça va hyper vite dans le bloc. Tu discutes avec les gens très facilement. Et mais ils te font confiance direct ? Parce que j'imagine qu'il y a parfois des infiltrés, ou oui, vous devez faire attention à ça ? Moi, en fait, l'avantage que j'avais, c'est que... Comme ça faisait pas longtemps que je faisais des manifs solo, personne m'avait jamais vu en fait. Que ce soit côté flic ou côté bloc, personne ne me connaissait. J'étais vierge de toute apparition. J'étais vierge de toute suspicion en fait. Ouais, c'est ça. Personne m'avait jamais vu en fait. Donc du coup, j'ai pu arriver et poser mes bases tranquille en fait. Je viens de comprendre que ta cagoule, c'est un t-shirt retourné. Ouais. Énormément de blocs, de gens du bloc. C'est ça, je viens de comprendre que c'est l'étiquette. Tu sais. Ouais. En fait, je viens de voir que c'était roulé derrière, gars. J'ai pas fait. C'est ça. C'est ce que font tous les mecs. Énormément, ouais. Ah oui ? Ouais. Parce que si tu te fais arrêter, t'as pas de cagoule sur toi, c'est ça ? Voilà, exactement. Comme ça, on se fait arrêter. Comme ça, regarde, tu vois, par exemple, fin de manif, je prends mon t-shirt, tac, 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 et je le remets, c'est bon. C'est en 2016, t'as 21 ans, et là, c'est là que tu décides d'intégrer les blocs, vraiment, ouais, tu rentres. Il y a une, je sais pas, il y a une cérémonie, non, est-ce que c'est comme, tu vois, j'en sais rien, non. Une confrérie où ils te disent, c'est bon, bienvenue, gars, tu vois, un club, machin. T'as pas une carte du bloc. Non, on se fait tester, en fait, on est testé... Testé physiquement ? Testé physiquement, dans le sens, on se fait tester en manif. Ils vont regarder... Enfin, pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que je ne peux pas me permettre de parler au nom du bloc. On n'a pas de chef, ça, je le rappelle encore. Pour moi, en fait, ils ont regardé mes déplacements, comment je me déplaçais, si j'étais une anguille, si j'étais un peu lent, si je courais vite ou pas. Bah, derrière, si t'as du courage, ton courage. Soit après, tu vas être. Ils vont te dire, ah, viens, fais plus médic pour le bloc et tout, ce sera mieux pour toi. Médic ? Ouais. Mais c'est-à-dire médecin, quoi ? Ouais, médic. Médic, mais pour le bloc. On a des médics dans le bloc. S'il y en a un qui se blesse, par exemple. C'est ça, s'il y en a un qui se blesse, ça aurait pu être moi qui viens le soigner. Donc t'as une trousse ? Ouais, les médics, ils ont des trousses et tout, comme les street médics normaux. Oui, il y a des street médics, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les manifestations. Des street médics qui sont là tout le temps. En fait, qui participent à la manifestation, et si eux ne vont pas, par contre, au front, mais si quelqu'un se blesse, un peu comme parfois à l'armée, il y a des gens sur le côté qui sont médics et qui n'ont pas forcément d'armes, etc. Machin. Ouais, j'en ai eu besoin plusieurs fois, des street médics et des médics du bloc. Hein. Toi, tu es médic, donc c'est ton rôle ? Non, moi je suis vraiment. Je passe mon temps en première ligne. C'est vrai ? Ouais, je déteste être derrière, ça me saoule. Parce qu'en plus de ça, tu vois pas ce qui se passe devant. Mais c'est le plus dangereux ? Ça peut être le plus dangereux, ouais. Soit si t'es trop devant, c'est dangereux, si t'es trop derrière, c'est dangereux, parce que du coup, t'es plus isolé, mais je préfère être devant, moi. C'est toi qui as choisi ? Ouais, c'est moi qui ai choisi.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté, sans donner trop de précisions, mais tu travailles, tu as une vie à côté qui n'a rien à voir En donnant le minimum d'infos, parce que je sais que tu as peur d'être connu. Dans la vie, déjà, je m'occupe des animaux. Moi, je suis gardien pour animaux. Et voilà, ça me paye mon mois, quoi. Et tu es en couple? Ouais, j'ai une femme, ouais. Et par exemple, ta femme, ça l'embête? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que tu pars en cachette? Ouais, elle le sait, ouais. Elle le sait? Elle le sait tout le temps. Dès que je pars, je lui dis. Parce que j'estime que c'est le minimum syndical de... D'être transparent? De transparence pour ma femme. Parce que, mettons que je me fasse attraper par les flics. Qu'elles comprennent pourquoi tu Si je vais en prison, faut qu'elle le sache. Tu as des enfants? Non. Il y en a qui ont des enfants? Oui, oui, oui. Il y a des parents dans le... Ouais, il y a des parents et des grands-parents, ouais. Il y a des grands-parents? Il y a des grands-parents, ouais. Ça va être quel âge, à quel âge, à peu près, tu vois? Il n'y a pas d'âge du tout. Il n'y a pas d'âge du tout. Il y a des mineurs? Il y a des mineurs, mais bon... Et des très majeurs? On n'aime pas trop qu'ils soient jeunes ou trop jeunes quand c'est des nouveaux. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore une certaine maturité, si je puis dire. Eux, derrière, c'est les parents qu'on va appeler et c'est les parents qui vont venir les chercher. Et ça peut faire beaucoup plus d'histoires parce que les parents, ils peuvent se faire retirer le gamin, par exemple. Donc, Vous voyez sans cagoule à l'extérieur? Oui. Vous vous entraînez comment? On ne s'entraîne pas. Il n'y a pas d'entraînement? Il n'y a pas d'entraînement. Parce que tu dis, ouais, on regarde en fonction de la manif, tel magasin. Donc, comment est-ce que vous vous décidez ça? On le décide avant les manifs. Par exemple, si on sait que dans 3 semaines, il y a une telle manif à tel endroit, le parcours, c'est ça, eh ben, on va avec nos équipes, on va avec différentes équipes, on va se coordonner, on va se dire, tiens, viens, on va attaquer là, on va attaquer ça, ça. Ou alors, pas du tout. Il y a des manifs, pas du tout, c'est spontané, totalement spontané. Il n'y a pas de camp d'entraînement? Non. Vous allez vous entraîner dans la forêt, j'en sais rien, à courir, pas, à faire des tests, etc. Non, mais c'est... Il y en a, ils sont sportifs, ouais. Mais c'est pas... Non, moi, par exemple, moi, tu me vois, je m'entraîne jamais pour aller tu en manif. Tu fais pas de sport à côté? Non. Pour ça? Non. Tu disais que c'était une famille. Ouais. Le bloc. Est-ce que vous allez devenir amis à côté des manifestations? Ah, ouais. Est-ce qu'il y en a avec qui tu vas partir en week-end, en vacances? Dès que je veux monter sur Paris, par exemple, je sais chez qui dormir. Dès que je veux aller un peu partout en France, je sais chez qui dormir parce que j'ai un frérot ou une sista qui peut m'accueillir sans Là, tu problème. Dors chez quelqu'un? Ouais, ouais, ouais. Du bloc? Ouais. Donc, vous êtes devenu, il y en a avec qui tu deviens plus ou moins proche, mais en tout cas, ouais. Vous savez qui est qui, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des infiltrés? Vous en êtes rendu compte? Ouais. Comment vous en êtes rendu compte? On s'en rend compte, déjà, comme je t'ai dit, les mecs qui font beaucoup d'informatique, ils arrivent au bout d'un moment à les cramer. Et du coup, quand on s'en rend compte, on se fait passer le message, mais en message privé, généralement. Ou alors, on affiche carrément la page Facebook du mec pour montrer à tout le monde que lui, c'est une balance ou c'est un keuf ou un ceci, cela. Et du coup, lui, il n'est pas digne de confiance et il est hors du bloc. Et du coup, la personne ne se pointe plus en manif du tout. Est-ce que vous lui écrivez? Ouais, on lui a écrit, ouais. Ouais. Certains lui écrivent, certains lui téléphonent. Après, il y a des moments, ça peut s'apparenter à du harcèlement quand même, j'avoue. Mais après, moi, j'aime pas ça. Je préfère prévenir la personne, lui dire « viens plus », parce que sinon, on va te choper. Donc, t'as fait des crasses, c'est pas bien, donc viens plus. C'est pas Et la ils peine. Ils viennent plus, en général? En général, ils viennent plus, ou alors ils se pointent, mais que dans leur ville, quoi. Et tu t'es jamais fait arrêter chez toi? En fait, est-ce qu'ils t'ont déjà topé chez toi en sachant qui tu étais, comme tu disais, un infiltré, un policier infiltré qui sait qui est qui après dans le groupe et qui vont taper tout le monde le lendemain, par exemple? Je me suis fait suivre pendant une semaine, ouais. Mais sinon, ils sont déjà venus m'attraper les cafés à la maison. Est-ce qu'il y a aussi des femmes? Ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin de... Il y a toutes les couleurs? Ouais. Il y a toutes les couleurs, toutes les religions? C'est ça. Il n'y a pas de distinction? Il y en a beaucoup qui sont sans religion. Parce qu'il y en a énormément, leur slogan, c'est « ni Dieu ni maître ». Après, oui, il y a des croyants qui croient en Dieu, des musulmans, il y a de tout. Je sais que tu fais très attention, je le vois, quand tu as écrit, etc., machin. Quand tu viens dans un lieu comme ça, tu as été stressé avant, tu t'es demandé si tu allais te faire avoir, c'est une peur pour toi? Ouais, oui, toujours. On a peur des pièges. On se dit que si on me piège... Vu le pourquoi je suis venu, si on me piège, je suis dans la merde. J'ai déjà un sacré dossier. Si en plus de ça, je me fais attraper pour ça, parce que une chose ou autre. Déjà hier, quand je suis arrivé, je me suis fait contrôler. On s'est fait contrôler avec toute mon équipe. Alors qu'on n'a rien fait, on n'était pas cagoulés, rien.
C'est juste les keufs, histoire de dire on sait que vous êtes là, les gars, à samedi, mais on sait que vous êtes là, quoi. Parce que là, vous êtes venu à plusieurs, c'est ça? Vous êtes monté à plusieurs? Ouais. En groupe, toujours? Ouais. Quand tu les as rejoints, tu savais leurs revendications? Tu savais pourquoi ils manifestaient ou tu savais pas vraiment au début? Je savais pas vraiment exactement. T'as expliqué? Ouais. Beaucoup m'ont expliqué. Et moi, en fait, mes parents, ils m'ont appris à être très ouvert à l'écoute avant de prendre un jugement ou de juger quelqu'un ou de quelque chose. Donc, du coup, j'ai écouté plein de monde. J'ai entendu leurs revendications, j'ai écouté ce qu'ils disaient et tout ça. Et après, du coup, moi, je me fais mon opinion et... D'écouter sans juger, quoi, au début. Voilà, c'est ça. Tes parents, sans dire exactement trop précis, t'as vécu dans une vie plutôt riche, plutôt aisée, plutôt pas du tout, plutôt middle class. Tu viens de quel type? Middle class, j'ai toujours eu à manger sur la table, toujours eu un toit sur la tête, des vêtements pour m'habiller et une éducation, et je suis toujours allé à l'école. Et tes parents n'étaient pas dans le bloc? Non, du tout. Avec tes parents. Mon père est proche des extrêmes gauches, ouais. C'est un bon petit révolutionnaire, mon daron. Mais, mais sinon, non, ma daronne, non, pas du tout. Elle déteste ça. Ouais, elle le sait, ouais. Elle aime pas? Elle déteste ça. Et ton père, il le sait? Ouais, mon père, il le sait. Et il te dit des trucs ou pas? Il est fier de moi. Ah oui, alors c'est l'inverse de ta mère. C'est l'inverse. Parce que ta mère, elle doit avoir peur pour toi aussi, je pense. Oui, aussi, mais à force aussi, ça l'agace. Ça l'agace que tout le temps... Les sujets d'engueulade à Noël? Ah, même pas à Noël, puisque c'est tout le temps, en fait, à chaque fois qu'elle m'appelle. Là, c'est que je montais à Paris pour ça, je me suis insulté par ma mère. Est-ce que tu aimes la bagarre? Ou ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans le bloc? Ou est-ce qu'il faut aimer ça quand t'es en première ligne, quand même aller un peu au front, parce qu'il y a quand même contact? Bah, quand t'es au front, quand t'es en toute première ligne, ouais, c'est sûr qu'il faut aimer un peu le contact, quand même. Faut pas avoir peur de prendre les coups, ça c'est sûr et certain. Mais en soi, tu me croises dans la rue, je suis quelqu'un de très calme. Quelqu'un de très gentil, très poli, cherche jamais la bagarre. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, j'aime pas ça. Parce que j'ai déjà fait des sports de combat dans ma vie et ça apporte rien de se battre pour rien, en fait. C'est un peu un rôle quand tu l'enfiles, ton... Ouais, entre guillemets, ouais. Tu vois, tous tes vêtements du bloc quand tu es en groupe, mais quand tu es en dehors, tu n'es pas comme dans le bloc, c'est-à-dire aller taper sur des gens... Voilà, je ne vais pas aller taper sur un keuf dès que je vais voir un keuf, quoi. Ça, c'est pas ça. Est-ce que t'as de la police dans ta famille? Non, du tout. Ça changerait quelque chose, tu crois? Ouais. Bah, mon père avait dit à ma mère, si tu deviens commissaire de police, je te quitte. Ah ouais? Avant qu'ils fassent des danses ensemble, donc c'est un coup, j'aurais même pas pu... je serais même pas né. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai deux frères et deux sœurs. Ah, tu vois, non, mais y a personne qui est policier ou gendarme ou... Non. Ta première manif aux Champs-Élysées t'as marqué? C'est l'acte 3 ou l'acte 2, je sais plus. Les gilets jaunes? Ouais, les gilets jaunes. Pourquoi ouais. T'as marqué? Parce que ça avait été intense, mais vraiment intense. C'était une des manifs où ça a vraiment été très très chaud. T'étais sur l'Arc de Triomphe? Pas sur la... pas celle-là où c'était monté jusqu'à l'Arc de Triomphe? Si, c'est celle-là. Moi, j'étais pas dans l'Arc de Triomphe ni sur l'Arc de Triomphe. J'ai pas eu ce plaisir. Mais non, ouais, j'étais dehors sur la place quand on se battait avec eux, quoi. Et pourquoi tu dis pas eu ce plaisir? T'as pas réussi à monter? Non, j'ai pas eu le temps, en fait. J'étais en train de faire un autre truc et de me soigner parce que je m'étais fait un peu mal. Donc c'est soit je me soigne, soit je vais faire le con au-dessus de l'Arc de Triomphe. Bon, j'ai pas autre chose. Ils étaient rentrés dans l'Arc de Triomphe. Hein, ouais, ils étaient rentrés dans l'Arc de Triomphe. Je sais qu'il y a eu plusieurs journées pour pas les confondre. Ouais. T'avais des collègues qui y sont allés? Ouais, j'ai plein de collègues qui y sont allés. Mais bon, c'est pas. Quand tu vois les gens qui cassent à l'intérieur, moi je me rends compte que c'est pas mes potes qui sont allés casser, hein, ça c'est clair. Quand tu vois les gens qui sont à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, il n'y en a aucun, déjà quasiment aucun, ils sont masqués. Donc ça, déjà, à partir de ce moment-là, tu vois que ce n'est pas des gens du bloc, c'est clair et net. Et même... Ça ne t'aurait pas cassé dans l'Arc de Triomphe? Non. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Et puis, c'est des choses assez relativement importantes, je trouve. Ils ont pété une statue de la Marianne, je crois, un truc comme ça, qui était énorme, qui était très belle. Quoi. Moi, ça ne m'a pas fait kiffer, moi, ça. Toi, c'est plus les banques, le système, c'est ça, les monuments français. Le système, les banques et tout ça. Moi, défoncer l'Arc de Triomphe, comme ils ont fait à l'intérieur, moi, je trouve pas ça utile spécialement, quoi. Là, t'as dit, j'ai été blessé dans cette manifestation. T'es souvent blessé? Ouais, ça arrive de temps en temps. C'est quoi ta plus grosse blessure pour comprendre ce qui peut arriver quand on est dans le bloc? Je me suis fait paralyser la jambe droite à cause d'une grenade. Une grenade de désencerclement, ouais. C'est ça, c'est les noms qu'ils utilisent. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, comment tu le vois? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je vois un des flics qui lance sa grenade, mais pas au niveau du sol, il la lance en l'air, donc il y a un mouvement interdit. Parce que ces grenades-là, ils sont censés les lancer au ras du sol pour éviter les éclats au niveau des têtes et tout ça, justement. Et les faire rouler, en gros, c'est ça ? Voilà, ils la font rouler. Et il ne l'a pas fait rouler. Et elle a pété juste à côté de ma manche, jambe. Quoi, ouais. De ma hanche, voilà. Et ça m'a bloqué, en fait, ça m'a fait une contracture. À l'hôpital, ils m'ont dit tes muscles, en fait, ils sont tellement contractés sous l'impact que. Comme une crampe ? Voilà, comme une énorme crampe, sauf que ça a mis 3 semaines à passer. Oh putain ! 3 semaines, ouais. Et t'as pu, enfin, tu pouvais plus marcher pendant 3 semaines. Ça je pète. Pouvais plus marcher. Tu penses que t'as perdu ta jambe? Quand ça pète, ouais, j'ai cru que j'avais ma jambe, elle était partie. J'ai cru qu'il y avait un morceau de jambe qui était parti. Parce que ça fait beaucoup de bruit, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Ça fait énormément de bruit et ça fait hyper mal. Je pense que t'as les oreilles qui sifflent, non? Un peu, ouais, temps en temps, ouais. Tu tombes en arrière, qu'est-ce qui se passe? Non, je tombe pas tout de suite parce qu'avec l'adrénaline et le. Le corps humain est fou. Hein. Et le, ouais. Le corps humain est impressionnant, parce qu'avec l'adrénaline qu'il y avait sur le moment, parce qu'il y avait les flics qui nous chargeaient et tout ça, j'ai eu le temps de, je sais pas, j'ai eu le temps de courir. Après, par contre, le surcoup, ça a été horrible. Hein. Et c'est les pompiers, t'appelles les pompiers ? Non, c'est les médics qui viennent. Que les médics ? C'est les médics qui viennent. Et après, tu dis tu vas à l'hosto quand même ? Ouais. Pour te faire soigner ? Mmh. Parce que je me rends compte, en fait, à la base, je pouvais encore marcher, et avec l'adrénaline qui redescend, Douleur arrive. La douleur arrive et je marchais de moins en moins, je bougeais ma jambe de moins en moins en fait. Ah oui, tu sentais un peu comme du poison, ça devenait de. Ouais, voilà. Plus le temps y passait, plus ma jambe, moins je la sentais en fait. Donc je me suis dit, là, il y a un problème quand même. Donc, Les hôpitaux, ça fait partie du système aussi. Ouais. Est-ce que ça t'ennuie quand tu y vas ou ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, vous ne casserez pas ? Ah, les ça, c'est vraiment les un écoles. Truc qu'on ne casse pas du tout. C'est interdit. Le premier mec du bloc qui vient péter un hôpital, mais c'est lui, on va lui péter sa tête. C'est un hôpital. On soigne des gens, on sauve donc des vies. Non, c'est pas tout le système, c'est le système plus financier, voilà. C'est vraiment pas tout le système. C'est l'hôpital. Là, cette fois-là, je m'étais fait balancer par le médecin au flic quand il a su que j'avais eu. C'était à cause d'une grenade. Le médecin a prévenu. Le médecin des urgences a prévenu la police. Pendant que t'étais à l'hôpital. Voilà. Et en fait, c'est un pote à Ouam qui était dans le couloir, qui l'a entendu téléphoner au policier. Et il est revenu dans la chambre, il m'a dit, gros, le médecin, il a appelé les keufs, faut vraiment qu'on se barre là, parce que sinon, ils vont arriver, ils vont nous sauter. Et qu'est-ce que tu risques ? Qu'est-ce qu'on risque ? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils ont contre nous, de ce qu'ils n'ont pas contre nous. T'as déjà pris quoi au maximum, toi ? À peu près, sans être trop précis pour pas, tu vois. Au total, dans toutes les peines, si je rassemble toutes les peines que j'ai, ah, parce que tu t'es fait arrêter plusieurs fois ? Oui. Si je rassemble toutes les peines que j'ai, je dois être autour de 15 ans de sursis. Ah, bah, à chaque fois, tu reprends du sursis ? Ouais. À chaque fois, bah, comme c'est une nouvelle affaire, le mec, il me dit, bah, prochaine fois que tu te fais péter, c'est tant de sursis. Prochaine fois que tu te fais sauter, c'est tant de sursis. Et pourquoi tu prends pas du ferme, du coup, quand tu prends du sursis, c'est une fois, la fois d'après, ouais. Sursis, et là, tu bah, ça dépend de nos avocats. En fait, on a des bons avocats. quand on fait ce genre de choses, on a l'habitude d'avoir des avocats et des bons avocats. Il y a des avocats sous les cagoules ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, il y en a 2-3 et c'est des avocats. Ouais. J'en ai pas mis un ou deux, c'est des avocats. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de cagnotte entre vous qui servent à payer s'il y a des frais, des trucs ? Certaines fois, ouais. S'il y a des soins médicaux vraiment trop chers, on se réunit à plusieurs pour faire une petite cagnotte. Tiens, ça t'aidera à payer les médecins et tout ça. Tiens, pour payer l'avocat, parce que la sphère, elle est trop grosse. L'avocat, il veut plusieurs milliers. Donc, tiens, on va t'aider un peu à payer quand même. Quand ton collègue revient et te dit, gars, il y a des flics qui arrivent, le médecin a prévenu pour ta hanche, tu attends quand même, parce que t'as un gros problème à la hanche, ou ouais. Tu t'en vas ? J'ai 2 secondes de réflexion et je me dis bon je fais quoi ? Parce que si tu perds ta jambe c'est quand même chiant. C'est ça. 3 mois de sursis. C'est ce que je me dis en fait. Je me dis soit je me barre et je risque de me niquer la jambe encore plus, soit je me barre pas et je risque de me faire niquer en prison. Donc je me suis dit c'est pas grave hein, on se barre. Ah vous êtes parti ? Ah ouais on est parti. Hein. En boitant ? En boitant. Je lui dis je vais fumer ma clope, j'arrive. Il m'a dit « Ok, d'accord, tout de suite. » Mais je suis jamais revenu. Et vous partez en courant devant Non, on se barre tranquillement, à pied. Vous vous déplacez comment dans les villes ? En transport en commun. Tout le temps payé en liquide, les trois quarts du temps, c'est payé en liquide. Mais sinon, en transport en commun, des covoiturages.
On évite les trains parce que les trains c'est super cher. Vous prenez, non, mais vous prenez pas de voiture, je veux dire quand vous allez dans des manifs ou de moto avec des plaques d'immatriculation. Ça dépend d'où tu pars. Si t'es trop loin, il n'y a pas de règle particulière. Non, il n'y a vraiment pas de règle particulière pour le déplacement, quoi. Est-ce qu'il y a une règle qui peut t'exclure du bloc? Est-ce qu'il y a des gars qu'on exclut pour X ou Y raison? Ouais. Pourquoi, par exemple? Si on se rend compte que c'est un fasciste, par exemple. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, ces mots-là, ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Ouais. Alors, quelle est ta définition du Alors, mot fasciste? Pour moi, la définition du mot fasciste, c'est pour dire gentiment un raciste. C'est pas vraiment la même chose. En ouais, fait. Je sais. Mais en tout cas, c'est utilisé comme ça. Voilà. Pour moi, un facho, ça regroupe tout ce qui est donc ceux qui aiment pas les Noirs, ceux qui aiment pas les Arabes, bon les Zemmour entre autres, hein, tous les homophobes, ceux qui sont là, tout ce qui ont une raison débile de. De ne pas aimer quelqu'un. De ne pas aimer quelqu'un, quoi. Et est-ce que vous avez, là on voit, tu as une tenue toute noire, est-ce que vous avez des accessoires en plus, des objets indispensables à chaque manif, genre le paquetage que vous prenez à chaque fois? Un pantalon noir. Déjà, moi j'ai pas, bon c'est pas celui-là que j'ai en manif, mais sinon ouais, j'ai toujours un pantalon noir bien spécifique en manif. Ça veut dire quoi, bien spécifique? Qui en fait me sert que pour les manifs. C'est vraiment mon pantalon de manif. Et en fait, il passe. C'est comme si en fait, c'était un jean un peu noir. Donc du coup, ça fait qu'il passe très très bien les contrôles. Ouais, d'accord. Et après, on a forcément notre kawé. Et toujours en kawé? Ouais. Pourquoi? Parce que ça protège de l'eau déjà, quand il y a le canon en haut. Ah, ok. Quand il y a le canon en haut. Moi, je suis gentil, je pense à la pluie, gars. La pluie, moi, ça m'arrange. Ça fait mal, le canon en haut? Ouais. C'est très puissant, on se rend pas compte. Hyper puissant, ça fait super mal le canon. Parce qu'il y en a qui essayent de rester devant, c'est très dur. C'est très dur, c'est très très dur. Moi, il me fait voler le canon à eau. Donc un kawé, donc pour l'eau, ouais. Pour le canon, pour la pluie, pour tout ça. Pour l'anonymat surtout. Est-ce que ça casse un peu la silhouette? Ça casse la silhouette énormément et comme il est tout noir le kawé et qu'on ferme bien la capuche, après on a juste notre t-shirt et on ne reconnaît pas. Vous avez des masques à gaz, des masques, ouais, des... Certains, ouais, on n'a pas tous des masques. Moi, je ne mets pas de masque à gaz, par contre, parce que trop souvent, je me le fais prendre par les flics, donc j'en ai marre. Donc, tu n'as rien pour la bouche? Non. Et comment tu respires? Eh ben, tu respires en apnée. Mais quand il y a de la fumée, de la lacrymogène pendant... Eh ben, tu fais de l'apnée et tu essayes de te démerder, hein. C'est pas grave. Hein. Tu mets ta manche Non, même pas. Tu respires, tu respires la lacrymogène, c'est pas grave. Et pour les yeux? Et pour les yeux... C'est très douloureux, pour ceux qui en ont jamais, c'est très douloureux. Ouais, mais à force, on s'habitue en fait, c'est ça le truc. Et soit t'achètes des lunettes de piscine, pas trop chères, t'es des lunettes à 5, 6 balles, 10 balles, donc on s'en fout, puisque s'ils nous les prennent, au moins ça nous a coûté 10 balles, on a rien à foutre. C'est quoi ta vision de la police? Moi j'ai une très mauvaise vision de la police, mais en même temps, il y a des gens dans la police qu'on a besoin, c'est clair et net. Tu regardes les gens, par exemple, qui traitent les affaires de pédophilie, tout ça. Ceux qui sont dans les brigades des mœurs, là. Ceux qui travaillent avec ouais, les enfants, tout ça, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ceux-là, on en a besoin, par exemple. Ça, je dis pas. C'est clair et net. Mais après, quand tu vois des CRS, la CRS 8, tu vois la Brave, tu vois... La Brave, c'est les motards, c'est ça qu'il y avait dans la manifestation. Ouais, voilà, c'est les motards. De Naël, après Naël, c'est ça. Ouais, bah... La Brave M. Pour Naël, il y avait tout. Il y avait le GIGN, il y avait le GPN, il y avait le RAID qui est sorti. Ils ont sorti tout ce qu'ils ont pu sortir. T'as la haine, mais pas de toute la police, du coup. T'as conscience qu'il y a des services de police qui sont indispensables pour tout le monde. Mais par exemple, les policiers dans la rue, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, tu vois, pour comprendre aussi l'envie? Déjà, retirer le LBD, ça c'est clair, les flashballs, le LBD, déjà, c'est la base. Il faut les enlever, c'est clair et net. C'est ultra dangereux. J'ai vu des gens perdre des yeux, des mains, de tout devant moi à cause du LBD. C'est extrêmement dangereux, un LBD. Les gens, ils pensent que c'est dangereux. Mais en vrai, c'est encore plus dangereux qu'on le pense. Que ce qu'on imagine. C'est ultra violent. Voir quelqu'un perdre son œil à côté de soi, tu vois la balle arriver. Enfin, ah, tu la vois partir? Tu la vois arriver, entre guillemets, tu vois. Tu vois un gros truc noir arriver d'un coup, t'as un mec là, et boum, tu vois d'un coup, il est là, pouf! Et tu vois, il commence à tituber, il fait ça, et là, pouf, ça commence à pisser le sang. Donc, tu l'as déjà vu de tes yeux? Ouais, des matraques télescopiques aussi, c'est ultra dangereux. C'est des matraques avec tout en ferraille,
avec une boule au bout en ferraille, c'est ultra dangereux, ça casse un crâne, vraiment, pour de vrai. Tu t'es déjà pris des coups de matraque ? Ouais, c'est ultra douloureux. Ah, c'est vrai ? Ils tapent comme des mules, ils tapent comme des malades. Vous n'avez rien ? Non, nous, on a rien, quasiment. Vous mettez quoi quand vous étudiez en première ligne ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Déjà, on tient la banderole, il faut tenir la banderole devant. Il y a marqué quoi sur la banderole ? Ça dépend des manifs, il y a de tous les slogans. À chaque fois, on essaie d'avoir le slogan en rapport avec la manif. Ok. C'est mieux. Bien sûr. Moi, en soi, par exemple, j'ai pas de bâton, j'ai rien, quoi. On a que des armes, c'est ce qu'on trouve sur le tas, nous. Ce qu'on, ah oui, nos d'accord. Armes. C'est vraiment ça. Comme sur les Champs-Élysées, tu sais, les gilets jaunes, il y avait des pavés, il y avait un chantier. Oui, il y avait un chantier à ce moment-là. Donc, comme par hasard, ils ont pas retiré le chantier. Mais non, mais c'est... Je sais pas, c'est logique. Tu sais qu'il y a des gilets jaunes qui vont arriver, tu sais que c'est le bordel. Le minimum, c'est de retirer le chantier. Mais non, eux, ils n'ont pas voulu retirer le chantier. Et parfois, tu dis, tu m'as dit tout à l'heure, on est des hommes sous les cagoules, des femmes, on est des êtres humains qui voulons juste en fait revendiquer qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Voilà. Et est-ce que parfois, tu dis la même chose des CRS ? Qu'il y a des pères de famille qui n'ont même pas envie d'être là, probablement. Enfin, j'imagine qu'il y en a de tout, tu vois. J'en ai vu pleurer des CRS, parce que, en fait, souvent avec nous, il y a des militaires. Souvent. Dans le bloc, il y a des militaires, il y a des légionnaires et des pompiers aussi. Il y en a beaucoup. Et les pompiers, le truc qu'ils arrivent à faire avec les flics, c'est qu'ils arrivent à les faire pleurer. En leur disant, si ta mère, elle fait une crise cardiaque ce soir, c'est qui va aller la chercher ? C'est toi ou c'est moi ? Non, c'est moi, c'est pas toi. Que des choses comme ça. Et j'en ai vu pleurer, bah oui. J'ai vu une fois, oui, un rang de CRS retirer son casque, ouais. Ah, c'est vrai ? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Et vous n'êtes pas battu avec eux, du coup ? Du coup, non, ceux-là, on ne s'est pas battu avec eux. Ce jour-là, la manifestation, elle a été calme. Parce que t'as conscience qu'il y a des humains aussi en face, en fait. Bah oui, c'est pas parce que je les déteste les trois quarts que je sais que c'est des humains. Même si je les déteste, même si je déteste leur institution, et ce qu'ils représentent, que chacun est dans son rôle, entre guillemets. Quoi. Chacun est dans son rôle, c'est juste son métier, au mec. Donc, pourquoi ils ne veulent pas changer de métier derrière ? Je sais que ça doit être un choix difficile à faire, parce qu'il y en a, ils adorent ça, la police, comme les pompiers, ils adorent leur métier. Mais au bout d'un moment, tu vois que la France entière, elle te déteste. Ton métier est détesté. Pourquoi tu continues à faire ce métier-là ? T'es CRS, pourquoi tu continues à être CRS alors que tu... Normalement, leur rôle, c'est de nous protéger. Ils ne protègent en rien les manifestants. Mais est-ce que c'est eux qui décident ou c'est les gens qui les... Ils peuvent très bien décider de se barrer. Tu peux très bien te barrer de ton métier. Un militaire, il peut démissionner. Un CRS, il peut démissionner. Si tu veux bien, on va faire un fait ou pas fait. Je vais te citer des choses qui peuvent se passer en manif. Tu vas me dire si tu as fait ou pas. D'accord ? Ça me permet de comprendre très rapidement ce que tu as déjà fait. Est-ce que tu as déjà porté une banderole ? Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure. Organiser une manifestation sauvage. Est-ce que vous organisez des manifestations que pour vous ? Alors, que pour nous, je dirais pas ça, mais oui, partir en manif sauvage, ouais. Est-ce que t'as déjà lancé des fumigènes ? Ouais. Est-ce que t'as déjà lancé des grenades qui repartent ? Alors, faire repartir une grenade, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on le fait pas, par exemple. Pourquoi ? On peut le voir parce que, en fait, le temps que eux, c'est un... Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Ouais, je sais pas s'il y a une espèce de minuterie de quelques secondes. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que les mecs, ils lancent la grenade et t'as pas le temps de la ramasser. De la... Ah, ça pèterait dans ta main, non ? C'est pas Call of Duty. C'est pas Battlefield, quoi. Ça te pèterait dans la main ? Ouais, j'ai vu un gamin devant l'Assemblée nationale qui s'est fait exploser la main à cause de ça. Il a voulu ramasser une grenade, pam, la grenade, elle lui a pété dans la main. Et la main avec ? Et la main en charpie, il a plus de main. Ah ouais ? Il a plus de main. Oh putain. Le mec, il s'est retourné vers moi et il avait des morceaux de tendons et tout qui pendaient de sa main. Donc, il a plus de main. Est-ce que vous avez déjà cassé une vitrine ? Ouais. Voler quelque chose pendant une manif ? Est-ce que parfois tu te sers ? Dans les magasins et tout ? Dans les magasins, on a déjà vu plein... Jamais. Vous, jamais ? Jamais, jamais, jamais. Ça, vous cassez, mais vous prenez rien ? On casse, mais on prend rien. C'est Par pas exemple, dans le but de voler ? C'est pas du tout le but de voler. Par exemple, on avait pété Longchamp sur les Champs-Élysées. On a tout ce qu'il y avait à l'intérieur, on l'a cramé. On a pris les articles, on les a mis dehors, on les a brûlés. Pourquoi ? On n'est pas du tout des voleurs, des braqueurs. C'est pas notre but de faire ça. Est-ce que tu as déjà sauvé un collègue ? Tu sais que parfois, ouais. Tu pouvais
Sauver la vie d'un collègue. Ouais, ouais, ouais. Alors, la première qui me revient en tête, là, c'est un pote à moi qui est tombé par terre. Après une charge de CRS, je l'ai pris par son col et je l'ai tiré. Et juste après, il y a la brave, d'ailleurs, qui est venue récupérer un autre mec. Donc, une seconde près, mon collègue se faisait embarquer. Tu t'es déjà battu contre la brave? Je crois pas, non. J'ai pas jamais tapé un mec de la brave, caillassé ou quoi, ou balancé des projectiles, ouais, mais un mec de la brave au contact premier physique, non. J'ai pas eu l'occasion. Est-ce que tu t'es déjà fait prendre en filature par la police en rentrant chez toi, par exemple? Ouais, pendant une petite semaine, avec ma femme, on a été suivis sur tous nos déplacements. Dès qu'on sortait de la maison, on avait deux gars qui nous suivaient constamment, quoi. Ta femme aussi? Ouais. Ma femme aussi, alors que ma femme, elle fait pas du tout de manif. Tu les as repérés? Ah oui, 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 on les voit. Ils se cachent même pas, les mecs. Hein. Ah bon? C'est des mecs en civil, ouais, ok, mais c'est tout. Hein. Le mec, il passe son temps à te fixer, il a son oreillette et il te regarde. Tu lui fais coucou? Ouais, ouais, moi, je lui fais coucou, c'est bon, on s'en branle. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Gros, je rentre chez moi, laisse-moi tranquille, c'est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent te chercher après? C'est avant un procès, c'est quoi? À mon avis, ouais, ça doit être avant les procès, avant les perquisitions, quoi. Mais bon, moi, ils sont pas venus perquisitionner, donc... Est-ce que tu t'es déjà fait pirater ton téléphone ou ordinateur par... Ah bah oui, sûrement. Par les flics, oui, sûrement. Oui, tu disais, ils ont déjà lu tous mes messages. Ils ont tout lu. Est-ce que t'as déjà lancé un cocktail Molotov? Ouais. Oui? Ouais. Ça, c'est un truc récurrent? Par exemple, tu faisais les accessoires que tu prenais, ça, tu en envoies? Alors, moi, j'en envoie pas souvent des cocktails Molotov, je vais pas mentir. Parce que c'est très dangereux. Ça, quand on les allume et tout ça. Et puis même si on se rate et que le truc il tombe à nos pieds ou quoi, ça va nous... C'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour tout le monde, comme pour eux comme pour nous. Donc, Parce que t'as pas peur quand tu jettes un cocktail Molotov, donc je pensais que tu en avais jeté plus que ça, mais de toucher un policier justement? De toucher le policier, non, mais de me brûler moi avec le cocktail Molotov, oui. Parce qu'avec l'essence qui gicle un peu de partout, ça t'arrive d'avoir des giclures d'essence enflammées sur le bras et tout ça. Et quand vous vous battez, t'as pas peur de tuer un policier? Non. Non. Parce qu'ils, déjà, un, ils sont bien plus équipés que nous. Les mecs, ils ont des casques, des protège-tibias, des plastrons et tout ça et tout ça. Nous, maximum que je peux avoir, moi, c'est ça. C'est des gants lunettes, de moto. Des gants de moto avec des lunettes de protection pour les lacrymogènes. Dès qu'on va se faire attraper avec un plastron ou une veste un peu renforcée de moto, alors que j'ai pas le permis de moto du tout... ils vont nous le prendre. Soit ils vont nous le prendre, soit ils vont nous emmener en garde à vue. Alors que c'est même pas la manif, quoi. Donc t'as pas peur de tuer quelqu'un Non. Pour X ou Y raison. Est-ce que tu as déjà brûlé une voiture? Ouais. Une grosse voiture, ouais. Dans un des quartiers riches, pas très loin d'ailleurs. Et tu choisis les voitures, entre guillemets? Ouais, on va pas brûler la Twingo éclatée d'un pauvre monsieur, quoi. Ou d'un pauvre papy, ou d'une mamie. Ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Tu vas choisir des grosses voitures, en gros? Mmh. Genre, par exemple, devant un cabinet d'avocat, on sait que l'avocat, il est rentré il n'y a pas longtemps dans le cabinet, on sait à peu près c'est laquelle sa voiture, on va s'attaquer à sa voiture à lui, plutôt que, par exemple, à la voiture, je pense à l'action de... On avait, sans faire exprès, on avait attaqué une voiture d'SOS médecin une fois. On lui a défoncé sa voiture, le pauvre. Bon, elle roulait encore, il pouvait repartir et tout ça, mais je te garantis, quand il a sorti la vignette SOS médecin, qu'il l'a collée sur le capot, on s'est tous arrêtés, on s'est regardés, et là, on était vraiment cons, on savait plus quoi faire. Vous êtes écartés? Ah bah oui, on s'est écartés tout de suite. On l'a laissé repartir. Bien entendu, c'est un médecin. Et quand t'attaques comme ça des voitures pendant les gilets jaunes et tout ça, t'as pas peur qu'il y ait des enfants dans la voiture? Non, 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 parce qu'on va pas attaquer justement une voiture où il y a des enfants et tout, déjà de base. À la limite, on attaque les voitures de flics, ouais, les camions de CRS et tout ça, ouais. Mais une voiture où il y a quelqu'un dedans, non. Et par exemple, sur une grosse voiture, tu te dis pas que c'est peut-être un gars justement qui a bossé, qui a réussi à monter sa boîte et qui s'est arraché tout seul et qui s'est fait tout seul? C'est pour ça que j'aime pas trop brûler les voitures et que je vais plutôt aller cramer, par exemple, les bandes de vélo, ouais. Parce que la bande de vélo, elle appartient à la ville de Paris. Etc., tu veux dire, ouais, voilà. La bande de vélo, elle appartient à la ville de Paris, alors que la voiture, justement, comme tu dis, elle peut appartenir à un mec qui a galéré de fou pour avoir tout ça. Tout seul, quoi. Qui a aidé ses parents, c'est qui a aidé ça, des gens. C'est un coup qui de mec, c'est sa dinguerie de sa life d'avoir payé sa grosse Mercedes. Donc, brûler les voitures comme ça, je préfère brûler une voiture de keuf ou péter une voiture de keuf. Oui, ça, c'est clair. Est-ce que tu as déjà gazé quelqu'un?
Avec du gaz lacrymogène. Ah non, non. Est-ce que tu as déjà tiré un mortier? On a vu, ouais. C'est beaucoup plus récurrent depuis quelques années, là. Ça, c'est un truc régulier? Ouais, ça, c'est un truc important même pour nous. Ce qu'on appelle un mortier, c'est un feu d'artifice, en vrai. Hein, c'est des gros feux d'artifice. C'est des gros feux d'artifice qui tirent des boules. Pétards, on a des pétards énormes. Hein. La dernière fois, en manif, j'avais un pétard, un pote à homme, il me passe à côté de moi, il me dit, tiens, tu veux un pétard, gros? Il me dit, par contre, j'en ai deux, il y en a un, il faut que tu fasses vraiment attention, il est très, très chaud. Il faut que dès que tu l'allumes, tu le lances immédiatement, parce que sinon, ça va te péter dans les mains et t'es dans la merde, tu vas mourir. Un pétard, je te jure, un calibre comme ça, le truc, énorme, avec une poche scotchée et de la poudre noire à l'intérieur. En voilà. Plus. Alors, je ne sais pas si c'était de la vraie poudre à canon ou un truc comme ça, mais il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses très, très attention, parce que ça, il est très dangereux. Et là, tu jettes sur quoi? En direction de la police, ça atterrit à côté. Dans un petit tas de débris où il y avait une palette et tout, la palette est partie à une dizaine de mètres au-dessus. C'est vraiment très puissant le truc. Hein. Est-ce que tu as déjà utilisé une arme blanche? En manif? Oui. Non. Est-ce que tu as déjà tapé un policier? Oui. Oui, plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois? Oui, ça arrivait plusieurs fois, ouais. C'est ton but quand tu pars dans une manif? Le but, c'est d'attaquer, oui, le policier, c'est sûr. C'est pas forcément d'aller attaquer... Un commerce en particulier, moi, mon but premier, oui, c'est surtout la police. Et parfois, tu t'es déjà battu avec un policier, tu l'as regretté? Non. Non, non, sans regret. Sans regret, jamais? Sans regret, jamais, quasiment. Est-ce que tu as déjà agressé un journaliste? Parfois, il y a des journalistes qui alors, sont au bord des manifestations. Alors, un journaliste... Est-ce que c'est vos amis ou vos ennemis, les journalistes? Quand tu prends une chaîne comme BFM TV, par exemple, oui, c'est des ennemis totaux. Pourquoi? BFM TV va vraiment déformer nos propos au maximum. Ils vont déformer nos actions, le pourquoi du comment, tout le temps. À chaque fois que j'entends parler du bloc sur BFM, c'est du n'importe quoi. Que ce soit les reportages, c'est vraiment tout le temps n'importe quoi. Mais sinon, en soi, agresser un journaliste, non. Est-ce que tu as déjà frappé un indic? Ouais. J'en ai attrapé un et je lui ai claqué la bouche, quoi. Parce qu'il avait... Il a failli, Il n'a pas eu le temps, mais il a failli me dénoncer aux flics en manif. Heureusement, je l'ai attrapé et on s'est occupé de son cas gentiment, pas trop méchamment. Mais c'était un policier? Non. Non, même pas. C'était juste quelqu'un qui... C'était juste quelqu'un qui nous aime pas, qui aime pas le bloc. Donc il s'est dit, vas-y, je vais avoir la bonne idée de les balancer. Est-ce que tu t'es déjà battu avec des mecs d'extrême droite? Des ouais. groupes... Ouais, ça arrive très souvent, ça. De se battre avec les militants d'extrême droite, ouais. C'est quelque chose de très, très récurrent. Vous vous donnez rendez-vous parfois? Pas forcément. Des fois, ils viennent faire des descentes vers là où on zone. Des fois, on fait des descentes. Par exemple, on ne va pas aller dans un café, par exemple, au milieu d'un café, prendre n'importe lequel, lui dire « toi, t'es un facho, tu traînes ici », et lui taper dessus. Non, non. Si on va taper sur quelqu'un, c'est parce qu'il y a une bonne raison qu'on le connaît. T'as déjà recroisé parfois des gens dans ta vie, entre guillemets, civile, avec ta femme, à un resto, et d'un coup, t'as... Ouais, ça m'est arrivé une fois avec un flic. Et il te reconnaît? Il m'a reconnu, je l'ai reconnu, ouais. Et vous avez fait quoi? Rien. Il était avec sa femme et ses gosses, et moi, j'étais avec ma femme aussi, donc on n'a rien fait. Et là, vous finissez votre soupe? On finit notre truc et on se regarde dans le blanc des yeux, de loin, t'es... Ça se regarde méchamment ou ça se regarde... Ça se regarde avec... Méfiance? Méfiance, voilà. Parce que toi, t'as peur qu'il appelle ses collègues, lui, il a peur que t'appelles les tiens. Voilà, exactement, c'est ça. C'est un peu la bombe atomique, c'est les deux vont regarder... C'est la guerre froide, qui a la plus grosse bombe qui va péter en premier. Est-ce que tu as déjà fait de la prison, pour terminer? Non. Tu n'as jamais fait... Est-ce que la garde à vue, oui? La plus grosse garde à vue, ça a été 96. 96 heures? Ouais. 4 jours? Ouais. Ah oui, c'est le maximum, non? Ouais. Et c'est la fois où tu as pris un peu de sursis? C'est une des fois où j'ai pris du sursis, ouais. Tu parlais de LBD tout à l'heure, pour terminer. T'as déjà pris, toi, du LBD? Ouais, deux fois. T'es fait tirer dessus? Ouais, deux fois, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça fait... Alors, pour ma part, moi, j'ai ressenti une grosse boule qui venait s'écraser contre mon bras. Contre ton bras? Ok. Et d'un coup, ça a mis quoi, une seconde ou deux, le temps que mon cerveau est tilt en fait, que bah, le truc rond qui vient de me percuter et qui vient de tomber à mes pieds, c'est une balle de LBD. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de suppositoire géant. Ok, ok. Voilà, ça ressemble à ça. Okay. Une douleur. Ah, mais une douleur. C'est horrible, même juste dans le bras, mais ça me... Tout de suite, tu l'as ressenti? Ouais, deux secondes après.
Mais sinon, d'abord, tu sens l'impact et après, j'ai senti la douleur. Quoi. Et là, t'as quoi ? T'as le bras cassé ? Non, ça te fait un bleu ? Moi, ça m'a fait un énorme bleu. J'ai eu de la chance. Et le truc horrible, c'est que j'étais juste devant les rangs de la CGT. Et les mecs de la CGT m'ont vu me faire tamponner, quoi, parce que j'étais collé à eux. Et ils m'ont vu me prendre le LBD, ils m'ont même pas aidé. J'ai voulu rentrer dans le rang de la RA des CGT pour pouvoir me... Je me suis dit, ils vont peut-être me laisser passer quand même, même si je suis du bloc. Je suis blessé. Vous n'êtes pas leurs amis ? Ah non, du tout. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est là où je me suis encore plus rendu compte qu'on n'est vraiment pas leurs potes. Vraiment pas. Tu en as pris une deuxième, tu sais, de balle de LBD, ça t'a tapé où ? Dans le pied. Et là, ça t'a, pareil, fait très très mal ou ça va ? Ça m'a... Après, ça va, parce que j'ai eu de la chance, parce que c'est vraiment ma chaussure qui a amorti. Mais, ça t'a surprendre quand même. Ouais, ça fait hyper peur. J'ai eu hyper peur, parce que d'un coup, j'ai mon pied, en fait, il est parti, et ma chaussure explosée. Donc au début, je me dis, est-ce que j'ai encore mon pied ? Je vois, j'ai encore mon pied, mais j'ai plus ma chaussure. Donc je me dis, bon, bah, j'ai pris un LBD, c'est bon. T'as pas peur de mourir ? Si. Un coup de matraque mal placé, un LBD mal placé, une grenade mal placée, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore et ça peut m'arriver à moi aussi. Et t'es prêt à mourir quand même ? Ouais. Si un mec du bloc meurt ou une femme du bloc meurt, ça, il va y avoir des retombées énormes et là, c'est plus que le bloc de France qui va venir, c'est un international aussi. C'est quoi vos revendications concrètement ? Quel est votre but quand vous allez manifester ? Quel est le but du bloc ? Moi, la base de ma venue à chaque fois en manif, c'est de protéger la manifestation. C'est de protéger les manifestants, parce que je me dis que c'est pas la police qui les protège, en fait. C'est nous, on sert de bouclier, on se fait tamponner en premier, et après, eux, ils peuvent faire leur manif tranquille. Si tu regardes bien, ça se passe comme ça à chaque fois. Les black box, ils se font exploser, on leur permet de passer, en fait, tout simplement. Parce que sinon, c'est la police va s'attaquer aux manifestants, aux grands-mères, aux grands-pères, ou darons, qui ont rien demandé, quoi. Qui sont pas du tout du bloc. Par exemple, les gilets jaunes, énormément de fois, ça nous est arrivé qu'on nous fasse une haie d'honneur parce qu'on a protégé les manifestations. Parce que, dès le début, par exemple, la police a tapé sur les manifestants. Et quand la police a vu que le bloc se forme, eh ben, ils se sont attaqués au bloc derrière. T'as vu la police taper sur les manifestants sans que les manifestants soient hostiles, tu veux dire ? Ah oui, totalement. Ça arrivait et ça arrive tout le temps. Tu parlais du canon à eau. T'as déjà vu des policiers tirer au canon à eau, mais sur des gens qui n'étaient pas manifestants ou c'est quand même ciblé quand même ? Ouais, ça c'est déjà arrivé. C'est arrivé. Ouais. C'était une erreur, j'imagine ? Non, parce qu'ils me visaient moi en fait. J'étais sur les Champs-Élysées et j'ai croisé un groupe de touristes. Et il y avait des touristes ouais, à ce moment-là. Il y avait des touristes qui sont passés. Ils disent pas que c'est une mauvaise idée là pendant le gilet jaune. Je sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, mais parce que ça brûlait quand même beaucoup. C'était une mauvaise idée d'être là à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais me fondre dans les 3-4 touristes et tout ça. T'as vu, le canon, oh, il me verra pas et les keufs, ils me verront pas. C'est mort. Il a rasé tout le monde le canon à eau. Tous les touristes et tout, ils en ont rien à foutre. Allez hop, il a chopé tout le monde au canon à eau. Il les a fait tomber ? Ah, il les a tous fait tomber. Et toi, ils avaient des courses et tout, parce que je me souviens, c'était Noël bientôt. Et ils avaient des courses de Noël et tout ça et tout. Et il a tout explosé. T'as été blessé ? Ils ont été blessés ? Non, puisque moi, je me suis rattrapé sur un mec. Mais, en plus, t'es tombé sur un gars ? Ouais, en plus de ça, je suis tombé sur un mec. Mais bon, bah, ça, c'est pas bien grave. Mais non, il n'y a pas eu de blessé, non. Et après, tu t'es excusé auprès des touristes ou même pas ? Alors, je sais plus comment je me suis démerdé pour leur dire ça en anglais, mais je leur ai dit qu'en France, c'était une tradition. Tous les samedis, on faisait joujou avec la police et c'est pour ça qu'il y avait plein de cartes de CRS partout. Et ils m'ont cru. Ah bon ? Ouais. C'était des touristes d'où ? Je sais pas, je crois qu'ils étaient de Chine ou du Japon, un truc comme ça. C'est quoi le truc le plus violent que tu aies fait ? Est-ce qu'il y a une fois, tu t'es dit wow, « Waouh, j'y vais fort quand même ». La fois où j'ai vraiment mis des coups de pied à un flic, quoi. Là, je me suis dit, j'ai failli tuer le Kemé quand même. Parce que je l'ai pris, En fait, on s'est retrouvé lui, par terre. Et moi, du coup, debout. Sauf qu'il n'y avait que lui et moi. Et dans la rage, en fait, je me suis laissé emporter. Et en fait, le mec, je lui ai explosé la gueule à coups de pied, en fait. Et je me suis dit, là, t'aurais pu le tuer, c'est pas bon. Et les autres étaient où ? Les autres étaient juste à côté, en train de s'occuper, bah, justement, du reste de la compagnie, puisqu'en fait, le mec, il avait atterri derrière nous. Donc, du coup, le mec était totalement isolé. Et heureusement, par contre, qu'il n'y ait que moi qui l'ai vu. Si tout le bloc serait venu,
pour lui mettre un coup de savate chacun, le mec serait mort, c'est clair et net. Et vous pensez pas au père de famille à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure ? Là, à ce moment-là, par contre, mon esprit, il a vu rouge parce que je viens de me prendre beaucoup de coups. Je m'étais fait exploser, et notamment lui, d'ailleurs, qui m'avait frappé. Donc forcément, j'avais la haine. Certes, ça n'excuse pas tout, mais ouais, là, j'ai vu rouge et j'ai failli l'exploser. J'ai vraiment failli le tuer, ouais, je pense. Est-ce que tu as déjà croisé des gens connus dans des manifs ? Ça t'est arrivé de croiser des ouais, gars ? Ouais, des politiciens. Que je citerai pas, bon, ils font pas partie du bloc, mais ils sont déjà venus, ouais, j'ai déjà quelques politiciens que j'ai vu passer dans le bloc pour parler avec les gens du bloc et tout ça. Des fois, c'est pour essayer de nous raisonner, mais bon, c'est peine perdue. Des mecs de gauche ? Ouais. Jamais, tu verras jamais un mec d'extrême droite ou quoi venir nous parler. Parce qu'ils savent que sinon, ils vont se faire démolir. Vous êtes combien quand vous êtes en bloc ? C'est Black Bloc, ça peut être combien de personnes ? Le plus gros bloc qu'on ait formé, on devait être à peu près 1000. 1000 ? Ouais. C'est une ville ? Ah, là, c'est... Ah, c'est un village ? Là, ça devient chaud quand 1000 en même temps ? 1000, ouais. Ouais, c'est énorme. Tu les connais plus, les mecs, là ? Ah non, là, tu connais que ton équipe, là. T'arrives à les reconnaître ? Ouais, puisqu'on reste à peu près ensemble. Il faut qu'on reste à peu près ensemble, sinon... Tu te maquilles les yeux comme ça, parfois, dans les manifs ? Alors, des fois, si j'ai pas de truc pour me cagouler, on va se mettre beaucoup de maquillage noir sur les paumes pour casser, justement, essayer de casser les formes. Les de visage, ouais, les formes. Pour éviter les reconnaissances faciales. Ta femme t'a déjà dit d'arrêter ? Est-ce que t'as déjà eu une discussion ? Oui ? Ouais, ma femme, ma famille, ma mère, surtout, évidemment. On parlait tout à l'heure. T'as arrêté ? Fut un temps ou... Ouais, j'ai arrêté pendant un petit moment. Ah, t'as fait une pause ? J'ai fait une pause, ouais, bah déjà parce que la santé, ça faisait trop mal, j'avais mal partout. T'as eu des problèmes de santé à cause des manifs ? Ouais, à cause. Et puis toujours même, des douleurs, parce que à force de te péter un truc ou à force de prendre des coups à tel endroit, bah ça se répercute sur ton corps. Ça se répercute sur ton corps, ouais. Est-ce qu'on t'a déjà menotté, palpé, déshabillé, je sais pas, est-ce que... Pendant les gilets jaunes, notamment, j'ai été menotté et on m'a fait attendre peut-être 2h30, 3h dans la flaque de pisse où tous les CRS allaient pisser. À côté de leur camion, ils avaient tous leurs camions en ligne et on m'a fait attendre couché, menotté, à plat ventre. Et le flic, il m'a dit, soit tu te couches dans la flaque de pisse, soit je t'explose la gueule. Donc bon, j'étais déjà bien assez éclaté, donc j'avais mal un peu partout. Et après, bah, j'ai pris une balayette et il m'a posé dans la plaque de pisse. Et pendant 2-3 heures, je suis arrivé au commissariat, je puais la pisse et tout. Ils pensaient tous que je m'étais pissé dessus. Même le juge au tribunal, il m'a dit c'est inhumain d'avoir fait ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir fait ça. C'est interdit. On parlait des pompiers là rapidement, mais tu disais tout à l'heure les hôpitaux, c'est les pompiers aussi. Ah bah oui, les pompiers, les vous hôpitaux. Vous n'avez jamais caillassé les pompiers ? Jamais du tout. Jamais de la vie, j'ai caillassé un camion de pompiers ou un pompier. Parce que parfois on a vu dans les émeutes. Oui, là, des fois ça arrive, ouais. Il y a des gens qui le font, mais c'est très rare. Après, souvent, ce qu'ils n'aiment pas aussi, bon, moi je m'en branle, c'est quand les pompiers ils viennent pour éteindre l'incendie qu'on a allumé par exemple. Bon, moi je m'en fous. C'est un peu débile d'aller le taper pour ça, le pompier, parce que lui il fait que son travail. Mais bon, moi, moi personnellement, je ne vais jamais aller taper un pompier, un médecin ou casser un hôpital. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Ce n'est pas tes valeurs ? Ce n'est pas mes valeurs du tout. Pour terminer, avoir ton opinion là-dessus, tu nous as dit qu'on a préparé l'émission à Sébastien et Louis, les auteurs de l'émission, qu'on embrasse fort avec Julie. Ils sont trois maintenant. Tu as dit les médias, c'est dangereux et important à la fois. C'est quoi ton opinion sur les médias ? Les médias, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent déformer énormément ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou ce qu'on veut faire passer comme message. Ils déforment énormément de choses parce qu'ils peuvent couper au montage, tout simplement. Et en même temps, on en a besoin pour faire passer des messages, pour montrer qui on est, entre guillemets, pour pas que les gens, en fait, ils nous crachent dessus. Ça m'est arrivé de me faire cracher dessus, ouais, en manif. Au sens propre, oui. Au sens propre, vraiment. Bon, le mec a pris un taquet derrière, mais ouais, ça m'est arrivé de me faire cracher dessus parce que j'étais un membre du bloc. Je faisais partie du bloc, ouais. Parce que vous avez une mauvaise image, tu veux dire, auprès de certains manifestants ? C'est ça. Certains nous considèrent comme de simples casseurs. Alors que non, les trois quarts, ceux qui viennent juste casser, qui cassent et qui pillent en même temps, c'est pas du tout des gens du bloc. Est-ce que tu penses que tu vas t'arrêter un jour ? Dernière question. Je sais pas si je m'arrêterai un jour. Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas décidé, j'en sais rien. Merci Thomas d'être venu parler. Il n'y a pas de souci.
exceptionnellement, je peux mettre tes réseaux sociaux en cliquable sous la vidéo. Si tu veux passer anonyme, je le fais avec tous les invités, mais donc je ne vous mettrai pas les réseaux sociaux de Thomas. C'est un nom d'emprunt, ça sert à rien de chercher entre vous les Thomas. C'est clair. Tu n'es pas un comédien. Ah non. Je répète, c'est important quand même, tu n'es pas un acteur, tu es juste un garçon qui m'a écrit un email. C'est ça. Il y a quelques mois maintenant, d'ailleurs, il y a longtemps. Parce que c'est très nombreux, et merci beaucoup d'ailleurs à nous suivre, et ça nous fait super plaisir. Et on essaye de faire passer des Français qui ont... on habite tous sur le même territoire, on a tous des parcours de vie très différents, des opinions différentes, des choix différents, et c'est intéressant d'écouter pour essayer de comprendre les autres. C'est vraiment le sujet de cette émission. Toujours sans jugement, d'être un peu, ce que je disais tout à l'heure, on est une loupe, nous. C'est-à-dire qu'un peu une loupe ou un haut-parleur, on peut nous appeler comme ça, pour essayer de faire passer le message de chacun, et chacun après fait son opinion, mais en tout cas, comme ça, là, t'as eu le temps de parler pour le coup. Ouais, bah là, pour le coup, j'ai eu le temps de parler et de dire ce que je voulais dire exactement. Y a rien d'autre que t'as oublié de dire, là, c'est bon, j'ai à peu près tout posé. Non, je crois que c'est bon. Ouais. En tout cas, vous pouvez vous abonner, merci, hein, à notre chaîne Légende. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là de plus en plus nombreux. En tout cas, si vous voulez passer vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un email avec votre numéro de téléphone, contact@legendegroupe.fr. Pareil sur Instagram, vous pouvez nous suivre, c'est Légende Média. Merci d'être là, les amis. On se retrouve de toute façon 3 fois par semaine. Et toutes nos émissions sont dispo en podcast, pareil, hein, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, Google Podcast, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous écouter. C'est vachement bien d'écouter en voiture, en faisant du sport ou quoi. Toi, tu nous écoutais sur YouTube ou en podcast? YouTube. YouTube. Ouais, je regarde les émissions, ouais. Bah, merci beaucoup et merci beaucoup à vous. Salut Thomas. Merci à vous.